dirait un battement de cœur. Bip, bip. 20h45, les amis, je quitte le bureau juste maintenant. Une journée incroyable. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi de vous dire à la fin d'une journée, waouh, aujourd'hui c'était semé d'embûches. C'était de vrais défis. Il y avait de vrais obstacles. Et que c'était bon. Et de vous retrouver. Allez, y a pas grand monde, hein, ce soir-ci. Hein. Ça fait un peu dans les films de thriller, tu sais, américain. On va mettre une musique derrière de suspense, t'imagines. Et de vous dire à la fin d'une journée, tu sais quoi, aujourd'hui, c'était, il y avait de vrais défis. Mais je les ai affrontés. Et c'était une bonne journée, j'ai fait la différence. J'étais vraiment dans le cadre de ma mission. Waouh, c'est bon de savoir ça, non? Retenez ceci. Ce n'est pas ce que vous faites souvent qui fait une très grande différence dans votre vie. C'est ce que vous oubliez de faire. Souvent, on a ce problème. J'ai oublié d'appeler un client. J'ai oublié de lui dire je t'aime. J'ai oublié de remercier, de féliciter ce collaborateur, ce client. Oh! Dans nos journées, ce qui va faire la différence, je suis pas sûr d'être très clair, hein. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et qui aurait fait une immense différence dans votre journée? Lorsque vous vous retrouvez... Faut un bruit, c'est clé. Si tu veux augmenter tes résultats, numéro 1, c'est de te poser cette question, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la journée? Oh, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais le fait de bien se connaître et de se poser de vraies questions et de ne pas vivre comme des poules sans tête et courir dans tous les sens et se prendre des murs en permanence, ou ce hamster qui court dans sa roue sans s'arrêter, c'est d'ajouter, d'implémenter de la stratégie aussi dans votre mental, dans tous les jours, en vous posant de bonnes questions. Parfois, ce sont des questions très simples, avec des réponses beaucoup plus ardues. Et puis, apprenez à travailler sans filet. Lorsque vous êtes avec un filet, vous choisissez toujours la sécurité. Et votre cerveau n'a pas été fait pour vous rendre heureux, mais pour vous maintenir en vie. Il a 2 millions d'années. Et lui, dès qu'il a un filet de sécurité, il choisit l'option la plus facile. Choisissez parfois d'agir sans filet. En direct, live, on y va. Et comme votre cerveau se dit « Oh my God, il n'y a pas de filet, pas de sécurité. » Non, il n'y a pas de sécurité, il faut que tu trouves une solution là. Vous ne parvenez pas à progresser, vous avez envie de réussir, mais vous ne bougez pas parce que vous avez ce fucking de filet. Donc, vous voyez ce que je voulais vous donner rapidement dans cette vidéo? C'était de vous poser quelques bonnes questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferai demain? Le faire petit à petit, implémenter. Et numéro 2, de travailler sans filet. Hey, ça c'était une bonne vidéo aujourd'hui, non? Pour une fin de journée à 21h. Ouais, moi je trouve que c'était pas mal.